TV, et sur notre site internet parce qu'il sera disponible. Ça prendrait votre auteur, M. Louis Charles Guertin, M. Madame Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Madame, messieurs, est-ce que vous pouvez lire l'avis spécial, s'il vous plaît? Oui. L'avis spécial, c'est par la présente donnée par la suite signée qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes assemblées de l'unité secrétaire territoriale pour être tenue au lieu ordinaire de séance du conseil municipal, mardi le 21 décembre 2021 à 20h50 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Avis de motion de projet de règlement numéro 536-2021 pour déterminer les prix taxes et les tarifications fixes pour l'année 2022. Projet de règlement 536-2021 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2022. Compte à payer liste 2021-13, 40 jours Saint-Ignace de Loyola 2022, remboursement de kilométrage, salaire et avantage des employés 2022, embauche de Jean-Christophe Laforêt à titre de coordonnateur du 40 jours 2022, glissade, appel d'offres pour le vidange de boue des états d'épuration 1 et 2, appel d'offres redressement des interventions du réseau routier durant 5 heures, réalisation complète de l'objet des règlements annulation de plusieurs soldes résiduels, nomination de l'organisme assurant le respect de la loi relative à la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, offre de services professionnels pour l'assistance en traitement, offre de services pour les échantillages de potable d'eau usée, période de questions, levée de la séance. Ça me demanderait un peu pour le jour. Monsieur Gilles Couchin. Monsieur Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. 1. Avis de motion du projet de règlement numéro 536-2021 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2022. Ce sont tous les mêmes taux que Mme Messier vous a lu. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Monsieur Christian Valois donne l'avis de motion. 2. Projet de règlement 536-2021 pour déterminer les taux et de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2022. Donc, M. Valois, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, M. Valois. Monsieur Gaudin. Madame Evelyne Latour. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 3. Compte à payer liste 2021. 13. Madame Messier, je vais faire la lecture. Oui. Ça, c'est ça. Donc, la première liste, c'est les chèques Xerox 2171,96, c'est l'allocation annuelle. Petite caisse, 1250 $, c'est les reconnaissances, les cadeaux pour les employés et les bénévoles. Accessoires d'auto, Bercyville 415,26, c'est les accessoires de voirie. Centre agricole, Bercyville 20,70, une pièce d'accessoires pour les véhicules. Ferme Joinville, c'est le transport pour le sel, 688,68. Petite caisse, 194,35. Les articles de nettoyage, la pepeterie, des aliments et articles de nettoyage. Canilab, inspection, c'est les frais de laboratoire pour le projet de la clôture de l'église, 2142,85. Raymond Lassalle, pour réparation du New Holland, 1769,29. Stellen, un câble pour l'écoute des bonhommes à eau, 224 et 20. Terrassement, Martin Coulomb, 149 et 47 pour le prolongement d'aqueduc de la ville de l'Église. Xerox, des photocopies, 388 et 22. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Si vous avez fait une loi? Non, ça sera un proposeur. Non, excusez-moi. On va y aller avec la liste numéro 2. Donc, la liste numéro 2, M. Jean Levert, des frais de déplacement pour l'année, 129,36. Gaston Vierre, Habitat-Yarnois, 1609,65. C'est pour le repérage des bornes et l'installation de repères, 1609,65. DGA, architecte, le cinquième versement, 70,097,38. EBI, environnement, 11,690,22. C'est les trois collectes plus les feuilles. MCO Corporation, 1087,41, qui est encore pour les produits pour les antigels, les pièces pour les égouts et les pièces accessoires de voirie. Les entreprises de Berthier, 4771,31, c'est pour les travaux de fossés, entretien de rue. Excavation Clément Moreau, pour une fuite d'eau, 624 Saint-Isidore, 666,86. Braconnier, entretien
du réseau d'éclairage 2984 et 29, Arnois, c'est de l'essence 417 et 96, les huiles Berthier, c'est pour les huiles pour l'église 4351 et 96. Monsieur Justin Lambert, des honoraires professionnels pour les travaux de la rue de l'église et de l'aqueduc, c'est les plans et devis et l'appel d'offres 5202 et 62, Landry 34 et 74, fourniture de bureau. Nordico, des analyses d'eau potable, d'eau usée. Et il y a eu également, ça va être une facture 324 et 99 qui va être refacturée à BLR, c'est suite aux travaux de la Société des Traversiers pour lesquels que BLR a fait un bris. On va pouvoir refacturer à BLR cette facturation-là puisqu'on avait été en Nordico. OK. Ouais. On avait été en ébullition. 1042 et 86. Est-ce que c'est la 324? Oui, ou, okay, bon, c'est ça. Fait que ça doit être refacturé à cause que c'était de leur comptable. Ouais. Patrick Morin, divers pièces et accessoires de voirie au montant de 378,18. Produit Sani, c'est un appel de service pour la récureuse apprentie, 211,69. Sécurité Lamaudière, vêtements et chaussures, 481,87. Sel Warwick, 4 voyages de sel, 15591,39. Work Canada, pièces et accessoires, 117,62. Pour un total de 120867,47. Vous avez des questions sur la page numéro 2? Non. Non, c'est bon. On va aller à la page numéro 3. Donc, la page numéro 3. Entre autres, c'est aliments et boissons pour la rencontre qu'on a eue pour le budget. Entre autres, au Tim Hortons 40 et 16. Ensuite, c'était pour le repas 57 et 97. Et ensuite, il y a une publicité 206 et 94. C'est la publicité pour les loisirs de la parade de Noël pour lesquels eux vont nous rembourser. Par la suite, il y a eu la papeterie bureau 199 et 65. Et un outil de voirie 206 et 96 pour un total de 711 et 65. Est-ce que vous avez des questions sur la page numéro 3? Non, c'est bon. OK, on va aller à propos de Mme Évienne Latour, M. Bouchard-Guertin, en bas à droite. D'accord. À gauche. D'accord. D'accord. Saint-Ignace de Loyola 2022. C'est pour déterminer les frais d'inscription pour le camp de jour à Saint-Ignace pour l'année 2022, comme qui a été dit tantôt. Ça fait 200$ pour le premier enfant, 50$ pour le deuxième et la gratuité pour les enfants suivants. C'est le premier proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 5 remboursements, kilométrage. Ça, c'est pour le kilométrage que les élus puissent faire ou des employés. Il était résolu que les remboursements des frais de kilométrage à partir du 1er janvier 2022 seront de 54 cents du kilomètre. Ça veut dire qu'on était à 40 cents depuis, je pense, 3-4 ans. Là, toutes les municipalités, ainsi que les, il y a des MRC, même le gouvernement, ils sont rendus à 53-54 cents. Fait que donc, le conseil a décidé de mettre le kilométrage à 54 sous. Ça prend le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin. Mme Yedine Nato, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 6. Salaire et avantages des employés. Salaire et avantages des employés 2022, ça c'est pour les salaires pour ceux qui vont travailler au camp de jour. C'est que le coordonnateur moniteur pour le camp de jour, il y a 16,85 $. Le moniteur de camp jour à 15,61 $, les aides moniteurs, ça va être le salaire minimum. Mais il faut calculer dedans aussi que le coordonnateur moniteur, vous savez, on lui a attribué 300 heures pour tout préparer, puis tout placer pour que lorsque le camp jour va commencer, puis tout puisse bien aller. Ça me prendrait un peu beau d'heure. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Justement, c'est en gros de M. Jean-Christophe Laforêt à titre de coordonnateur du camp jour 2022.
C'est qu'il était résolu de procéder à l'embauche de M. Jean-Christophe Laforêt de coordonnateur du camp de jour 2022 à compter du mois de février 2022, selon les besoins du poste pour un maximum de 300 heures. C'est justement ça, c'est ce qu'il va. Il va tout faire la préparation pour le camp de jour pour tout l'été. Ça me prendrait le beau d'heure. Mme Évelyne Nadeau, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ici. 8. La glissade. Conseil de a décidé d'utiliser la terre excavée dans les fossés durant Saint-Luc afin de déménager une glissade pour la saison hivernale. Donc, il est autorisé les dépenses encourues pour l'aménagement de la glissade pour la saison hivernale au terrain des loisirs. Donc, ça prendrait le proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Et en passant, la glissade est réutilisée par beaucoup d'enfants. Et c'est très bon commentaire. C'est très apprécié. Et de bons commentaires aussi. 9. Appel d'offres pour la vidange des bouts des étangs d'épuration 1 et 2. C'est qu'on va aller à l'appel d'offres. C'est les places de devis ont été préparées par Mme Charlie Desrochers, chargée de projet. C'est de la firme Nordico. On va préparer les places de devis pour avoir discuté. Pour faire un appel d'offres sur la plateforme de Sao. C'est pour vider les étangs 1 comme 1 et 2, comme Mme Messier vous expliquait tantôt dans le budget. Ça prendra le proposeur, M. Philippe Cochin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Appel d'offres, redressement des interventions de réseau routier durant Saint-Pierre. Et c'est comme qu'on vous a dit tantôt aussi, c'est que la ville de Saint-Pierre, c'est des routes côté 1 et 2, dans le RIL. Si on est plus subventionné par le gouvernement, on a vu la confirmation de 1 139 621. Donc, on va autoriser, on va mandater M. Stéphane Allard, ingénieur à procéder au nom de la municipalité, à un appel d'offres sur la plateforme SAO concernant l'appel d'offres pour le redressement des interventions du réseau routier durant Saint-Pierre. Ça, c'est dans le contrat que M. Allard a préparé, c'est on va faire toutes les traverses de rue, que, à peu près toutes, à part que ce qu'on a déjà fait. Puis aussi, ben, on va creuser les fossés de chaque côté, on va pulvériser l'asphalte, puis on appelle ça le plan, le pont. Le pont Scott. Le pont Scott. Puis là, on va le lever. Parce que vous savez, à tous les ans, quand il y avait des inondations, on mettait de la roche pour relever le chemin, pour que le monde puisse passer. Et là, on va le lever tout de suite, puis après ça, le chemin va être chargé, compacté, on va refaire de l'asphalte. Fait que ça prendrait pas beau là. M. Louchard Guertin, M. Gilles Cochin, à ma gauche. D'accord. D'accord. 11. Réalisation complète de l'objet des règlements. Madame Michel, vous voulez savoir si c'est des règlements. La fois, c'est qu'il y a plusieurs règlements qui datent de l'URF, qu'ils sont présents sur le système STEF, puis qu'on veut tout simplement enlever. Pour les enlever, il faut qu'on passe une résolution pour annuler les sols résiduaires qui n'ont pas été utilisés, tout simplement. Puis c'est des montants-là, ils vont s'annuler dans l'œuvre. Dans le fond, ils vont s'annuler de notre endettement. OK. C'est comme si là, présentement, on a une possibilité d'aller chercher ces sous-là, mais ces travaux-là, ils ont été faits. Puis on n'a pas eu besoin d'avoir ce règlement d'emprunt-là, sauf que c'est des règlements qui traînent. Fait qu'on peut tout simplement les annuler. Donc ça, M. Daniel Valois, M. Évelyne Nadeau, à ma gauche. Madame, on est d'accord. 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 Madame. Parce que je m'ai dit, il avait dit même monsieur et Bill Tato. Pas grave, c'est grave. Il dit monsieur. Ouais, c'est pas grave. Excusez-moi. Excusez-moi, Tato. Vraiment. 12. Nomination de l'organisme assurant le respect de la loi relative à la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Oh, oui, ça. Ça, c'est. On va donner des spécifications à notre. Voyons, ceux qui s'occupent des inspecteurs canins, c'est surtout c'est parce qu'on va amender ça, c'est la résolution-là de 2020-126, parce qu'avec les lois du gouvernement, il faut rajouter ces quatre items-là. Autoriser à émettre des constats d'infraction en vertu du règlement provincial. Agir à titre d'inspecteur pour la section 5 du règlement provincial. Autoriser à appliquer la section 3 du règlement provincial. Et en cas d'euthanasie, l'inspecteur canin doit faire approuver leur décision par la direction de la municipalité avant de procéder à la mise en application. Quelques préambules, je fasse partie intégrante de la résolution.
que ça me prendrait un peu pour d'heure. Monsieur Louchard Gertek, monsieur Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Donc, c'est toutes les choses que le gouvernement exige en chose, excepté que l'euthanasie, quand vous voulez qu'il organise la direction de la municipalité, s'il veut faire ça. S'il veut euthanasier un chien ou un. 13. Offre de service professionnel pour l'assistance en traitement. Ah, ça, c'est pour le traitement des eaux usées et des eaux potables. On a eu deux soumissionnaires, on a Nordico qui est pour passer, c'est sur l'entretien. Si on a besoin des choses, c'est Nordico chargé de projet, c'est 90$ de l'heure. Le technicien opérateur certifié, 60$ de l'heure. Les frais de déplacement, 60 cents de kilomètre. Les repas et hébergements coûtant plus 15%. Après ça, on a eu Aquatech, chargé de projet, contrôle de qualité à 105$ de l'heure. Technicien opérateur certifié, 75$ de l'heure. Les frais de déplacement, 60 km. 67 km, des repas et hébergements coûtant plus 15%. Donc, on va donner le contrat à l'assistance professionnelle du traitement d'eau de Nordico dans le plus bas soumissionnaire. Ça prend l'air de bonheur, M. Gilles Cochin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Offre de service pour les échantillonnages d'eau potable et d'eau usée. On a eu deux soumissions aussi. C'est qu'on a eu Nordico à 8 723,50 plus les taxes applicables. Puis on a Aquatech à 29 094,53 plus les taxes applicables. Donc, je pense que Nordico est assez bon, merci. Peut-être on va retourner le contrat à Nordico, ça me prendrait un peu pour l'heure. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Bien, comme vous savez, bien, si on est rendu à la période des questions, si vous avez des questions, rendez-vous pas, faites-les parvenir à la municipalité, on va vous répondre le plus vite possible. Et aussi, je voudrais informer le monde, on est en train de s'informer pour que, peut-être pas la, ça va peut-être serrer un petit peu pour la santé de janvier, mais si la santé publique, on est encore en huis clos, mais pour le mois de février, on devrait avoir un procédé qui va pouvoir avoir des citoyens qui vont pouvoir assister à l'Assemblée et ensuite poser leurs questions. En virtuel. En virtuel, oui. Pas directement dans la salle, ça va se faire en virtuel, que ce soit par Zoom ou qu'on va avoir on a demandé un appel d'offres à la CTRB parce qu'on sait que la CTRB fait tout ce programme-là, ils sont tous équipés pour le faire. Okay, donc, c'est les 24. On essaie de le faire le plus vite possible avec des choses, comme vous savez, santé publique, ils nous ont mis ça, c'est à 5 heures, comme ils ont fermé les écoles à 5 heures, puis toutes les écoles, je ne pense pas qu'ils s'en attendaient aussi vite que ça. Fait que ça me prendrait un proposant pour relever l'Assemblée. Un peu, on peut spécifier que la demande vient de oui, on peut spécifier que la demande pour en virtuel, que la demande elle devient des citoyens indigènes. Donc, si jamais il y a 5, 6 ou 10, 15 citoyens qui veulent assister, bien, vous donnez vos noms et ils vont vous dire comment procéder pour avoir la chose, que ce soit par Zoom. On va avoir toutes les informations pour vous brancher sur le Zoom. Okay. Avez-vous d'autres questions? Non. Non. Non, c'est bon, ça prendra quelqu'un pour lever l'Assemblée. Mais ça met plein de la tour de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup.